Gil, voilà le transpondeur Kurt. C'est avec ça que l'espion recevait ses ordres. Quelles infos il faut qu'on en tire? L'emplacement de l'émetteur. Ça devrait nous donner la position du vaisseau de l'Archonte. D'accord. Vous pensez pouvoir trouver un moyen? J'étudie toute la technologie Kurt qu'on trouve depuis le début. On a peut-être changé de galaxie, mais les lois de la physique restent les mêmes. Il n'y a pas 36 façons de communiquer dans l'espace. Voilà, faites un essai. Attendez, vous avez connecté le... Merde, éteignez ça! Faites gaffe, c'est une ligne directe vers des types qui veulent massacrer tout ce vaisseau. Sam? J'ai les coordonnées. Le signal vient du système Tafeno. On tient vraiment à faire ça? Je sais pas, parfois je me dis qu'on a les yeux plus gros que le ventre. Parfois? C'est l'occasion d'en être sûr. On capte de nombreuses transmissions Kurt. Restons discrets, Kalo. Il est encore trop tôt pour se lancer dans la bagarre. Pionnière, les capteurs confirment la présence du vaisseau de l'Archonte. Pas possible. Ça a marché. Mais il y a autre chose. Il est amarré à un vaisseau de l'Initiative. C'est l'Arche Parcero. Confirmé. Il s'agit bien de l'Arche Galarienne. Les relevés indiquent qu'elle se trouve ici depuis un certain temps. Bon, ça change tout. On a trouvé l'Arche Galarienne? Sam, montre-nous ça. Apparemment, l'Archonte l'a capturée. Les deux vaisseaux sont reliés. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'y travaille. Sam, connecte-moi à la Moschee. Je l'affiche à l'écran. Ryder, ravi de vous revoir. On a localisé le vaisseau de l'Archonte. C'est plus compliqué que prévu. Donc, je voulais être sûr de bien savoir ce qu'on cherche. C'était une relique de grande taille représentant Meridian. Elle se trouve dans ses quartiers privés. Son sanctuaire, comme il l'appelle. Il est très fier de cette relique. Il n'aura plus de quoi être fier quand on l'aura volé. Mieux vaut ne pas prendre l'Archonte à la légère. Il n'a aucune considération pour le caractère sacré de la vie tel que nous l'envisageons. Vous pouvez avoir confiance en vous, Ryder, mais n'en oubliez pas toute prudence. Je comprends. Merci pour votre aide, Moschee. Je vous en prie. Bonne chance. Bon, si on se débrouille bien, non seulement on récupère la relique, mais on sauve les Galariens en passage. Voilà le plan. On monte à bord de l'Arche, on évalue la situation, et ensuite on s'infiltre sur le vaisseau Kurt par le système d'amarrage. Une approche adéquate. L'Arche Parcero est actuellement en veille. Seuls ses systèmes de stase sont activés. Et les Galariens? Je n'ai aucune information. Vous avez entendu la Moschee? L'Archonte fait du mal aux gens. C'est tout ce qu'il sait faire. S'il a fait quoi que ce soit à ces Galariens, il va découvrir ce que nous, on sait faire. Ryder? Je suis là, en cas de besoin. C'est mon peuple. On les récupérera. Tâchons d'être efficaces. Tempête, on y est. Pour le moment, aucune activité inhabituelle en provenance du vaisseau Kurt. Pourvu que ça dure. Pionnière, si vous accédez à un terminal, je pourrai évaluer la situation.
J'accède au système interne de l'Arche par Zéro. Un instant. Un cryptage supplémentaire a été ajouté aux données. Ce n'est pas conforme au règlement. C'est les Galariens qui ont fait ça? Il semblerait. C'est une clé cryptographique liée à leur service de renseignement. Je l'ai déverrouillée. L'Arche par Zéro est arrivée dans le secteur Eleus. La position actuelle du Nexus est inconnue. Ici le Capitaine Ager de l'Arche par Zéro. Si vous recevez ce message, des aliens ennemis ont pris possession de notre vaisseau. Merci de chercher Zevin Raika. Situation urgente. Trouvez notre pion. Au boulot. Faut qu'on parte à sa recherche. Je pirate la porte de séparation. Dans quel état le vaisseau, Sam ? Les cartes ont ajouté des infrastructures, mais les systèmes de l'Arche sont opérationnels. Donc elle est prête à voler ? Oui. Est-ce que vous pensez ? Si on veut sauver tout le monde, le plus simple, c'est d'emporter l'Arche entière. Simple, vous trouvez ? Si les bons Galariens sont encore à bord, ça pourrait marcher. Aucun signe de lutte. Ces fichus Galariens se sont même pas défendus. Espérons que leur pionnier puisse nous expliquer tout ça. Ce Galarien ne montre aucun signe de vie. Ce colon est décédé. Le terminal médical permettra peut-être d'en apprendre plus. Tu peux accéder à leurs informations sur ce Galarien, Sam ? Il est indiqué qu'il s'agit du pionnier Zevin Raika. Quelle est la cause de la mort ? Une embolie cérébrale pendant la stase. Cependant, les archives de l'initiative mentionnent que Raika est une pionnière. Or, ce patient est de sexe masculin. Hein ? Mais qui c'est alors ? Votre scan m'a fourni son empreinte génétique. Avec un séquenceur, je pourrais confirmer son identité. L'ADN du Galarien décédé correspond au colon Jex Harlan. Alors, ils les ont bien échangés. Ils ont essayé de cacher leur pionnière. Allons voir le module de stase de ce colon. Il y a peut-être quelqu'un dedans. Je vous ai indiqué l'emplacement de la rangée. Les Galariens changeront jamais. La poudre aux yeux, c'est leur truc. Ça fait beaucoup de modules de stase vides. J'aimerais croire qu'ils sont partis avant l'arrivée des Kert. Ce n'est pas l'impression que donnait le message du Capitaine Ager. Ce n'est pas le module de Jex Harlan. C'est le module du Galarien décédé. Mais je détecte une Galarienne à l'intérieur. Je crois qu'on a trouvé leur pionnière. Sortons-la de là. Vous devez accéder aux commandes de stase pour la réveiller. Doucement. Prenez votre temps. Ça va, je me sens bien. Les Galariens récupèrent tout de suite en sortant de stase. Qui êtes-vous ? Ryder, la pionnière de l'Arche humaine. Où est Alec ? Il nous a quittés. Oh, c'est de la folie. Cette stase, c'était une erreur. Je n'aurais jamais dû accepter. Dites-moi ce que vous faites. Je regarde l'ampleur des dégâts. Une espèce hostile nous a attaqués, une vraie armada. Notre capitaine a déposé les armes. Il disait qu'il y aurait d'autres batailles à mener.
Il m'a convaincu de me cacher parmi la population et de désactiver mon SAM pour empêcher l'ennemi de nous mettre la main dessus. Mais je vois qu'on est toujours à leur merci. On est là pour vous libérer. On va infiltrer le vaisseau Kert pour recueillir des renseignements. Réveillez l'équipage et parez l'Arche au départ, à mon signal. D'accord, j'essaierai ensuite de libérer l'Arche pour que vous puissiez vous concentrer sur votre objectif. Pas la peine, contentez-vous de réveiller votre équipe et d'attendre mon signal. Chaque chose en son temps, bien sûr. Je vous branche sur nos transmissions, on reste en contact. Bonjour, pionnière Raika. Ah, Sam, tu m'avais manqué. Ravi d'être de retour. On sera prêt, Ryder. Tempête, on est au niveau de l'amarrage. On passe dans le vaisseau Kert. Il ne semble pas avoir remarqué votre présence jusqu'ici. Bonne chance, pionnière. Bon, on fait ça vite et en silence, et ils se rendront compte de rien. Je crois qu'ils s'en sont rendus compte. On est tombé en plein dedans. Vous relâchez pas. Attention, il y en a qui arrivent en haut. La Moshae vous salue bien. C'est bon. Pour la discrétion, on repassera. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si vous localisez un terminal, je pourrais peut-être analyser leur système. Accès au système du vaisseau. J'ai localisé les quartiers privés de l'Arconte. L'Arconte est dans ces quartiers? Cette information ne m'est pas accessible. Seulement l'emplacement de la pièce. Où en est leur niveau d'alerte? Une alerte a été lancée, mais je l'ai annulée. Ce ne sera que temporaire. Bien, alors on se dépêche. La Moshae a dit que la relique se trouverait dans ces quartiers. Allons-y. Ryder. Je vous croyais sur l'Arche. Il nous manque trop de monde. C'est notre seule chance de les retrouver. Voici Iger, le capitaine de notre Arche. On va se concentrer sur le sauvetage pendant que vous continuez, Ryder. Un itinéraire secondaire est disponible. Je marque les coordonnées. On va vous aider à trouver le chemin. En route. Ryder, mais je suis si vous accédez au terminal, je pourrais contrôler la porte. Et moi, je n'ai fait que piloter des vaisseaux toute ma vie. Ce n'est pas une raison pour rester là, en attendant de se faire tuer. On va passer par ici pour chercher les nôtres. Désolé de ne pas pouvoir vous aider, mais on a notre propre mission. Bonne chance, pionnière. À vous aussi, pionnière. Bon, Sam, la relique, t'as toujours une piste? Je vous indique l'itinéraire jusqu'au quartier de l'Arconte. Vous pouvez avancer. C'est pas si simple. On n'est que trois pour tout un vaisseau Kert. Quatre. Je compte double. Une sorte d'armurerie. C'est le seul point commun entre les Kert et moi. On aime les gros calibres. Bien. Ils ne sont pas conscients de notre présence. On y va! Restez à couvert et avancez! Où est-ce qu'on va? La sortie est à l'autre bout de la pièce. Et il y a plein de Kert qui nous en séparent. Transporteur en approche! Un transporteur? C'est vraiment pas du jeu. Ils ont fait venir des renforts! Des ennemis de tous les côtés!
Attention à ce don! Hey, notre transporteur à nous, il arrive quand? Je vous signale que normalement, c'est nous la cavalerie. Et voilà le travail. Plus un quart de deux. Bien, foutons le camp d'ici. Sam? Vous êtes toujours dans la direction des quartiers de l'Arconte. J'espère que la Moshae nous a pas fait des promesses en l'air avec sa relique. C'est l'une des personnes les plus sages que je connaisse. On peut se fier à ce qu'elle dit. Ryder, ici la pionnière Raika. Je suppose que ces alarmes, c'est à cause de vous? Ouais, une petite échauffourée. Et de votre côté? Ils nous ont toujours pas repérés. On continue les recherches. Terminé. C'est un ouvrier. Minute. Ce qu'il regardait, c'est un menu de phase. Y'a rien, non? Il est vide. Vide également. C'était aussi un membre éminent du commandement de l'Arche par ses roues. Le commandement, hein? Les Kert semblent les avoir visés en priorité. Peut-être pour semer la On est loin d'avoir tous les modules ici. Où sont les autres Galariens? Confirmé. Il s'agit de l'armement offensif d'un vaisseau de guerre très performant. Elles sont toutes pointées sur l'Arche galarienne. Ça va poser problème. Votre itinéraire se poursuit à l'autre bout de la pièce. Si ces armes tirent, on n'a plus besoin de la relique. On n'a plus besoin de rien, en fait. Merde, la porte vient de se fermer. Ça m'étonnerait que ce soit un accident. Ouvrez l'œil. Embuscade, ils sont là-bas. Ces fumiers ont voulu nous piéger. Préparez-vous. On est enfermés. On va se battre pour sortir d'ici, alors. C'est mal barré. On va plus tenir très longtemps. On ne tiendra plus très longtemps. Ryder, on est là. On vient en renfort. C'est les Galariens là-haut. On va peut-être s'en tirer. Raika, toute aide sera la bienvenue. On vous couvre d'en haut. Abattez-les. J'ai peur que la seule solution soit la force.
C'était juste. Sans l'aide de Raika et de son équipe. On leur rendra ça. Ouais, et maintenant la sortie, c'est par où? J'ai trouvé un nouvel itinéraire vers les quartiers de l'Arconte. Tout le vaisseau doit être à notre recherche. Qu'est-ce qui se passe? Les blessures de Selvin lui ont été fatales. Je suis désolée. Il était courageux. Je n'arrive pas à accéder à ce terminal. Ça ne marche pas. Ryder, est-ce que Sam peut nous ouvrir cette porte? Un instant. Je contourne la sécurité. Raika, on a un gros problème. Vous avez vu ces armes là-bas? Oui, elles détruiront l'arche avant qu'on ait pu lancer les réacteurs. À moins que... Si vous avez une idée, je brûle de l'entendre. Voilà Venro. Elle réparait les propulseurs SLM sur des croiseurs privés. Venro, un appareil à IEM? Ça pourrait marcher. Si on le déclenche près de ses armes, leur alimentation sera coupée. Et l'Arche sera hors de danger. Et les Galariens disparus? Je vais poursuivre les recherches. Le capitaine Ager et Venro vont se concentrer sur l'IEM. Soyez tous prudents. Bonne chance. La porte est ouverte. On reste en contact radio. En attendant, nous, on a une relique à trouver. Sam? Je vous indique l'itinéraire jusqu'au quartier de l'Arconte. Pourquoi on continue à parler à voix basse? On infiltre le vaisseau de l'ennemi. Un ennemi qui sait déjà qu'on est là. Pourquoi prendre des risques? Si on échoue à sauver l'Arche, combien il restera de Galariens? Pas assez. L'espèce entière est en danger. Ils auront leur propre version du génophage. Les voilà qui recommencent. Sam? Il y a un autre itinéraire possible. J'accède aux commandes de la porte. Ça par là. Les cartes renforcent leur sécurité. Essayez de scanner le panneau d'accès. C'est une porte à commande vocale. Je peux essayer de moduler vos cordes vocales pour que votre intonation ressemble à celle d'un kert. D'accord. Le système demande votre autorisation. Comment voulez-vous répondre? Des intrus ont été repérés sur le vaisseau. Nous devons sécuriser cette zone. Accès accordé. Bon, nous voilà hors des sentiers battus. Un laboratoire, Kert. Ça n'augure rien de bon. Les appareils vont arriver, on dirait. C'est sûrement le choc. Qu'est-ce qu'il mijote? Rien de bon, en jugé par cet endroit. La science des Kert n'a qu'un seul objectif. Infliger de la souffrance. Attention, des Kert! On arrive à forcer le passage. Ils ne vont pas nous faciliter la tâche. Ils sont morts. Ce serait
serait quand même plus simple si les cartes nous remettaient gentiment la relique. Non, j'aime autant faire comme ça. Ça fait plus de cartes mortes. Les vides. Merde. Vide également. Ils sont tous vides. Qu'est-ce qui se passe ici? Organes à ce galarien. Il semble être mort après l'opération. Ils étaient en vie quand c'est arrivé. Sont de vrais bouchers. Par la moindre compassion. On est des... Toi, tu m'entends là-dedans? Je vais te tuer de mes propres mains. Ordure! Tu m'échapperas pas! Ça suffit. On va mettre la main sur la relique et donner une leçon à cette raclure d'Arconte. Quelqu'un va le payer très cher. Lâchez toute notre colère sur eux! Bande de fumier! On n'est pas vos cobayes! Du bien. Sam, qu'est-ce que ça donne? Il va falloir emprunter un nouvel itinéraire via la porte numérotée pour atteindre les quartiers de l'Arconte. Ryder, attention. Ah, une sorte de... champ de force paralysant. Inutile de lutter. Je vis dans ce secteur désolé depuis plusieurs décennies, entouré d'amibes. Et soudain, vous voilà. Une humaine capable d'accomplir l'impensable. Même de m'échapper. Vous êtes une rivale peu commune. C'en était presque stimulant. Et pourtant, cette fin était déjà écrite.
Vous avez presque l'air triste. Je vous ferai bien un câlin, mais... Hey, restez avec moi. Un premier prélèvement. Place au test. Je connaîtrai votre secret tôt ou tard. Mon rapport. Attendez que j'arrive. Gardez vos forces, humaines. Raika a dû avoir des ennuis. Pas pire que nous. Sam, qu'est-ce que tu peux me dire ? Je détecte un transmetteur biologique dans votre système sanguin. J'essaie de le neutraliser immédiatement. Ok, ça, ce sera l'étape numéro 2. D'abord, tu saurais nous tirer de là. Les champs de restriction n'agissent que sur les êtres vivants. Si vous mourrez, le champ se dissipera jusqu'à réinitialisation manuelle. Comme vous le savez, mon accès à votre physiologie me permet de renforcer vos fonctions vitales si nécessaire. Je peux également faire le contraire. Donc, si tu coupes mes fonctions vitales... Si tu me tues, le champ disparaîtra. Celui qui vous retient, oui. Puis je tenterai de vous réanimer. Y a pas d'autre solution ? Je n'en vois pas d'autre, non. D'accord. Vas-y. Ryder. Bonne chance. Je vous attends de pied ferme. Arrêt du cœur. Maintenant. Sam. Première stimulation cardiovasculaire. Aucune activité. Deuxième stimulation cardiovasculaire. Deux fois maintenant que je reviens d'entre les morts. Je crois que je m'y ferai jamais. Je crois que cela vaut bien mieux que le contraire. Ça va ? Vous êtes à l'aise ? Faites-nous descendre ! Et si on essayait de sortir d'ici ? Un couloir de service est relié à cette pièce. Ok. Il doit y avoir un moyen d'y accéder. Je vais chercher. On ferait bien de fouiner dans le coin tant qu'on peut. Il pourrait y avoir des infos utiles. Éloigne-toi de là! Curieux. Merde, seul mensonge. Prétend à un type. Mon peuple m'appelle Moshae. Ici, vous n'êtes rien. Raika, répondez. Qu'est-ce qui se passe ? Une petite diversion. Le capitaine Ager et Venro ont besoin de temps pour mettre l'IEM en place. Je vous recontacterai. Cette galarienne ne manque pas de courage. Sont dotés d'un exosquelette très utile. Ils pourraient nous procurer un avantage sur les mondes les plus inhospitaliers. Une tendance plus déroutante chez eux est leur discipline presque militaire. Une caractéristique parfaite pour assurer l'obéissance. Des spécimens supplémentaires seront nécessaires pour compléter cette étude. Les capacités cognitives des Galariens sont ce qu'il y a de plus utile chez eux. Leur pensée est plus vive que celle des autres. Ils ont une certaine intelligence, une ingéniosité que nous pourrions exploiter. Il reste à en isoler les marqueurs génétiques. Nous ne manquons pas de spécimens pour les trouver. L'espèce qu'ils appellent Asari
Leur méthode reproductive mélange biologie, pensée et souvenir, prenant le nécessaire chez une espèce comme il se doit. La reproduction ne peut être laissée au hasard. La race supérieure prévaut. Mais les Asari voient les choses autrement, parlant de fusion, de contempler l'éternité. La biologie n'a que faire de la poésie. En fin de compte, leurs caractéristiques biotiques seront sans doute les plus utiles. Parmi les nouveaux spécimens, les humains sont les plus déroutants. Leur spectre émotionnel est plus vaste que celui des autres. Leur nature imprévisible les rend dangereux. Même s'il est possible d'isoler la source de leur passion, nous devons identifier un champion parmi eux et le capturer pour l'étudier de plus près. Les Krogan sont des brutes, ce qui pourrait s'avérer utile. Des organes redondants et un tempérament sauvage. Des tueurs nés. Même les autres spécimens les redoutent. Un défaut génétique a été délibérément introduit pour limiter la démographie Krogan. Mais je me demande, sans ce défaut, peut-être que rien ne pourrait les arrêter. Bon, ça a fait quelque chose. Jetons un coup d'œil. On a fait toute cette route pour découvrir que les monstres d'Andromède sont aussi horribles que ceux qu'on avait à la maison. C'était quoi, ça? Je crois qu'on n'est pas seul. Je commence vraiment à détester ces trucs. Qu'est-ce qu'ils faisaient ici? Un Galarien mort. Il a dû s'échapper par les conduits et ensuite... Ils ont envoyé cet animal ici pour le chasser. Ici Raeka. Certains des nôtres sont encore en vie. J'y vais. Capitaine Ager, où est-ce que vous en êtes? On a fini de préparer l'IEM. On arrive bientôt au quartier de l'Arconte. Prudence.
On dirait un Krogan. Plus maintenant. Ça doit être un de mes éclaireurs disparus. Difficile de dire lequel. L'ADN est Krogan, mais sévèrement altéré. Les cartes sont visiblement en passe de réussir à exalter l'espèce. Je commence à vraiment les haïr. On est deux. On a réussi. Capitaine Edger, ici Ryder. On a atteint le sanctuaire de l'Archonte. À votre signal, on déclenche l'IEM. Ça devrait neutraliser les armes. Compris. Origine reliquat. Pourquoi cet Archonte s'intéresse autant aux reliquats? Excellente question, et on va devoir trouver la réponse avant lui. L'Archonte a endommagé cet artefact en le soumettant à de nombreux tests. Il ne sert plus à rien. Si on réussit notre coup, la colère de l'Archonte va atteindre des... Voilà l'Arche Galarienne. On va s'amuser pour filer d'ici. Cet objet n'a aucun intérêt pratique. C'est l'équivalent reliquat d'un rebut. L'Archonte essaye au hasard. Pionnière, voici la relique dont parlait la Moshae. On dirait une carte, effectivement. Je vais la superposer à celle trouvée dans le caveau sur Eos. Est-ce que... Méridiane. Coordonnées enregistrées, pionnière. C'est donc ça que vous cherchez. Vous êtes loin de tout savoir sur Méridiane. Elle est capable de changer bien plus que le climat. Et je ne vous laisserai pas la profaner. De la même façon que vous ne m'avez pas laissé échapper à votre piège. Ce n'était pas vous, c'était l'intelligence artificielle dans votre tête. J'ai vu ce qu'il s'est passé au laboratoire, et je sais maintenant ce qui vous rend spécial. Méridiane est à moi. Je ne vous tolérerai pas plus longtemps. Une fois vos vaisseaux détruits, vous serez coincés ici. Capitaine, lancez l'IEM! C'est fait. Tranquille.
La voie est libre. Fin. Bon, on a la carte. Fichons le camp d'ici. Ouais, avant qu'il remette ses armes en marche. Attendez, pionnière. Je perçois des signes de vie Krogan sur le vaisseau. Il y a des prisonniers non loin d'ici. Ils doivent subir une exaltation. Merde. Ça pourrait être mes autres éclaireurs disparus. Sam, est-ce qu'on a le temps d'y aller avant que les cartes rétablissent le courant? Si vous faites vite. Ryder, ici Raeka. Je suis au pied du mur. Je crois que je vais pas m'en sortir. Où êtes-vous? Près des cellules où ils détiennent plusieurs des miens. Ils sont encore en vie. J'ai ordonné au capitaine Ager de retourner sur l'Arche. Vous auriez dû le suivre. Je ne pouvais pas abandonner les miens. Je devais essayer. Mais tout est fini. Je vous dis adieu, pionnière. Terminé. Bordel. Vous n'avez pas le temps de sauver tout le monde. Lorsque les cartes auront rétabli le courant, vous serez piégés. Ryder, les éclaireurs. Rechargez vos armes. On va sauver les Krogan de l'exaltation. Et comment ? Drak ? Birtak, qu'est-ce que tu fais là ? J'ai profité de la panne de courant pour filer. Nos éclaireurs sont au bout du couloir. Il y a un paquet de guerre entre eux et nous. Dans ce cas, on avance et on ne s'arrête sous aucun prétexte. C'est parti. Préparez-vous. Geert, droitement. Ces Geert sont déjà morts. Faut qu'on force le passage. C'est à eux qu'il faut le dire. Libre à vous de rester en arrière et de mourir. Tempête. Ici Ryder, vous me recevez? Je vous reçois, pionnière. On a la carte, mais on essaie de sauver des prisonniers. Ces armes Geert ne resteront pas désactivées indéfiniment. Je sais bien. Prévenez-nous s'il y a du changement. Vous serez la première à le savoir. Terminé. Drak, s'ils nous attrapent, ils nous exaltent. Ils peuvent toujours essayer. Ils essaient. Birtak, regarde où tu tires. Tu ferais mieux d'en faire autant, papy. Seront bientôt réactivés. Bien reçu. Vous avez tous entendu? Qu'on en finisse! Dégage! Presque.
les a tous tués. Faisons-les sortir de là. Le terminal est près de la porte. Regardez-les. Ils sont traités comme des animaux. Ça ira? Pionnière, les cartes sont sur le point de rétablir le courant. Tempête, on se reparle dessus. Préparez l'extraction. Bien reçu. Raika? Raika, vous êtes toujours là? Désolée. Une équipe est en route. Elle va escorter l'Arche au Nexus. Ils seront sûrement contents de vous voir, Capitaine Edger. Je n'étais pas certain que ce jour viendrait. Et maintenant qu'il est là, qu'est-ce que vous allez faire? Techniquement, je suis le prochain en lice pour devenir pionnier. Mais je n'ai jamais commencé la formation. Ce sera difficile de remplacer Raika. D'après mon expérience, Capitaine, il suffit d'y aller étape par étape. Vous en êtes capable. J'espère être à la hauteur de la confiance que vous me portez. Le principal, c'est que les Galariens ne soient plus à la merci des Kert. Nous vous en sommes éternellement reconnaissants. Veillez à ce que mes éclaireurs rejoignent le Nexus sain et sauf. Bien sûr. Portez-vous bien, Ryder. Ça n'a pas dû être facile d'abandonner Raika, mais je vous en remercie. C'est grâce à ça que mes éclaireurs sont en vie. Oui, mais les Galariens qu'on a laissés là-bas... Concentrez-vous sur le bon côté des choses. Aujourd'hui, vous avez botté le train de l'Archonte. Vous lui avez retiré l'Arche des mains. Et vous avez appris où se trouve Méridiane. Alors, savourez votre victoire. Votre père aurait été fier de vous. Je me suis donné du mal pour lui succéder. J'espère que je commence enfin à être digne de ce rôle. Mais après un affront pareil, l'Archonte risque de devenir encore plus dangereux. Ou imprudent, peut-être. Votre père aimait déstabiliser les gens. Il disait que ceux qui en étaient dignes apprendraient à s'élever et à affronter l'adversité. Et ceux qui n'en étaient pas dignes? Ils s'effondreraient. Je vous laisse réfléchir à tout cela. Sauf votre respect, Archonte, cette fascination pour Méridiane ne peut perdurer. C'est la clé de notre avenir, Primus. L'humaine ignore tout de sa véritable puissance. Nous-mêmes n'en saisissons pas tous les aspects. Nos ordres sont d'exalter ce secteur, pas d'étudier les reliquats. Votre jugement commence à être mis en doute. Et ce, depuis les plus hautes sphères. Il n'y aura bientôt plus aucun doute. Avec Méridiane, nous pourrons faire de tous les mondes de ce secteur des déserts. Soit les sujets se soumettent à l'exaltation, soit nous les exterminons jusqu'au dernier. Cette pionnière a ouvert la porte.
s'emparer de Meridia. Comme toute créature inférieure, une bataille lui semble être une guerre. Ses faiblesses lui sont inconnues. Comme son potentiel. L'Archonte a eu accès à ma mémoire? Grâce à mon implant? Sa sonde est allée en profondeur. Nos connexions étaient sans défense quand Sam vous a tué. On l'a touché une fois. Il n'y a plus qu'à recommencer. On va mobiliser le Nexus et mettre le cap sur Meridian.